Hey yo tout le monde, c'est Sortek, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Unity, donc en même temps j'allais pas me retrouver sur le deuxième Assassin's Creed, donc un petit peu normal. Et donc aujourd'hui on va faire une petite découverte. Bon, c'est sûr que j'ai plus d'une heure de jeu, donc c'est sûr que je connais déjà le jeu, mais voilà, tu sais, quand le jeu vient de sortir sur YouTube, t'es pas pour... faire une vidéo par rapport de je sais pas quoi, mais bon. Voilà, donc est-ce qu'on peut descendre? Non, d'accord. D'habitude il y a des espèces de trucs de foin en bas, ça a pas de l'air de le tenter d'en mettre un. Ah, voilà, il y en a un ici. Ouh. Ok, je me demandais où est-ce qu'on allait atterrir. Donc, voilà, donc je me suis mis une arme lourde sur mon dos, donc quand j'ai une arme lourde, je peux avoir mon pistolet dans mon dos, c'est pas grave. J'adore les armes lourdes, qui tournent, qui tournent. Ah, ok, est-ce qu'il est mort? Ah oui! Ok, tantôt j'ai essayé de tirer, puis ça n'avait pas tué un one shot. Donc peut-être c'est moi qui avait tiré à côté, donc voilà. Donc cette arme a coûté, je sais pas si j'ai regardé, mais elle a coûté 5 000 $, francs. Ouais, parce que SDF, donc c'était 5 000 francs. Et bon, l'argent ça monte quand même vite, mais il fallait que c'est toujours quand même une bonne arme pour avoir tout cet argent. Je suis déjà un peu comme ça en ce moment. Et ben, j'ai réussi à l'avoir. Donc je vais justement vous la montrer, je vais vous montrer un peu sa force et tout pour vous présenter. Voilà. Vous présenter, je voulais vous montrer arme lourde. Donc avant j'avais celle-ci, et si vous regardez ici, il y a 3 points, et plus qu'il y a de points, plus qu'il y a une forte. Donc elle avait 4 points, donc pour l'améliorer je pense que ça voilà, ça l'améliore, hein, normal. Et ben plus tard, pas tout de suite parce que 25 000, je fais pas ça en 2 secondes, mais j'aimerais bien savoir ça, une de ceux-là ou celle-là, bref. Ah, ils ont 5 points. Ok, mais à quoi ça sert celle-là? Ah, ok, oui. Ok, elle sert vraiment à quoi? Sauf que les armes lourdes, ils ont pas de vitesse, ils ont pas de portée. Les armes longues, qu'est-ce qu'ils ont pas? Ils n'ont pas de dégâts para non plus, ils sont moins fortes. Et les armes à une main, bah voilà, ça aussi, c'est pareil, sauf que je crois qu'elles sont moins fortes que les armes longues. Non, elles sont égales. Donc c'est pour ça que j'aime mieux les armes lourdes. Moi, la vitesse, ça me dérange pas trop. Dans la vie de tous les jours, je suis pas très vite, donc voilà. Est-ce que... Ah non, je peux pas acheter d'armes, j'ai pas assez. Ça c'est quoi? Pistolet orné. Ok, je l'ai pas encore. Je crois que je vais me garder de l'argent pour m'acheter celui-là. Parce que il y a 3 points. Vu que j'ai, il y en a 2. Ouais, la vitesse. Ok, lui il a plus de vitesse. Sinon lui il a vite dégâts. Oh putain de merde. Genre l'arme que tout le monde veut. Et puis bon, ces armes-là, qu'est-ce que j'aime pas? C'est que quand t'as ça, c'est que tu peux t'en servir comme fusil, puis t'as pas d'épée en fait, c'est ça, tu frappes avec le fusil, donc c'est un petit peu merdique. Donc dégâts, voilà, c'est vraiment small, donc voilà. Sinon l'équipement, il y a les couleurs qu'on peut choisir, mettons tac. Bon, moi j'ai mis ça parce que c'est beau. Faut les débloquer, faut les acheter. Ah, celui-là, non pas celui-là, c'est quel que j'ai vu? Il y avait, ah, je crois que c'est ça. En tout cas, bref, il avait l'air cool. Attendez, est-ce que... Ah, ok, les couleurs. Ok, parce que j'en ai récolté beaucoup de ça. En tuant, j'ai récolté beaucoup, voilà. Et je pourrais m'acheter une autre couleur. Mais laquelle? Vert, non, ça fait gnome. Je vais pas avoir l'air d'un gnome. D'un gnome, c'est drôle à dire. Non plus. Bref, la couleur que j'ai en ce moment, je l'aime beaucoup, donc je sais pas si... Ah, ça c'est pas pire.
Oh, juste 1000, c'est pas cher. Mais j'aime mieux la mienne, donc je la changerai pas. Est-ce que tous les équipements... Attendez, on va regarder quoi. Ok, non, c'est juste la couleur qui est avec ça. Ça, c'est pour quand on pirate quelque chose. On peut... regarder, comme par exemple... On peut pas le pirater, ok. Mais on peut pirater des choses. Mais c'est quand même... Je sais pas comment qu'on fait, donc voilà. Je vais pas faire le gars qui sait comment, mais... Belle capuche. Attendez, j'ai le goût de l'acheter. Non, merde. Le goût de l'acheter, sérieusement. Elle est pas si belle, finalement. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est 900. Ok, on va attaquer du people. Puis... On ira on s'ajoutera ce chapeau. Ce chapeau. Donc on est déjà à 100. Oh, ok, je pense. Ouais, c'est ça. Notre but, ça va être ramasser 900$ aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on va prendre toujours. Bitch. Oh. Ok, il y a beaucoup de gaz. Je suis quand même contenté dans les combos, c'est pas mal. Oh shit. Savais pas que les gardes pouvaient mettre des fumigènes. Ok, ouais, d'habitude je suis bon, mais là c'était fou, il y avait plein de monde, j'étais mêlin. Je voulais dire mélanger puis mêlé en même temps. Donc ouais, vraiment c'était plus difficile que d'habitude. Donc des fois ils sont encore vivants. Moi ce que je fais c'est que je les tue. Aucune pitié, je les vole pour le faire comme fuck you. Et après ça, je les tue. Voilà. Ce que j'aime pas dans ce jeu, ben pas que ce que j'aime pas, mais les personnes que j'aime pas, c'est ces gros bleus là. C'est des espèces de juggernauts. Ils sont difficiles. Ok, j'ai dit que mon but aujourd'hui, ça allait être d'avoir 9000$. C'est déjà fait. Donc la vidéo, inquiétez-vous pas, ça s'arrêtera pas ici. Non, pas arme, équipement, tête, et c'était celui-là, hein. Ouais. Attends, c'était vraiment lui. On va juste regarder les autres au cas où. Non, trop cher, anyway. Non, non, on va acheter celui-là, il est cool. Tadam! Super cool. Sinon, au niveau des poitrines, il y a pas ça comme ça, mais il y a ça, bof. Bof. Elle était cool, mais. Oh, elle est cool. Ouais, elle est vraiment cool. 1100$, let's go, on y va. On va déjà faire le garde. J'ai un combo, je sais pas pourquoi tantôt c'était facile, mais là. Vraiment, les cinématiques avec les armes sont vraiment cool. Chaque arme a leur propre cinématique, on dirait. Mais moi, j'ai vu ça en tout cas. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, je vais le prendre. Je vais le voler après. Plaquer le voleur, ok, on va le plaquer, attendez. Je vais juste le voler. Je vais juste le fouiller. Si elle a le temps de partir, fuck off, mais. Je ne donne pas cher de ta misérable peau si la garde t'a. Vous voyez, tac, que c'est pas fier à 100%. Mais. Bon, tape un peu. Mais. Voilà, je sais pas pourquoi. Quand je pime, les FPS descendent beaucoup, beaucoup. Quand je pime pas, par exemple, je suis quand même des FPS haut. Mais sinon, ouais, je croyais que mon ordi allait faire vraiment plus. Plus, ouais, plus.
Mais non, voilà, mais en même temps, au nombre de personnes que là, c'est toutes les personnes que qui, ça fait vraiment laguer le jeu, des fois. Donc, voilà. Mais essayez d'arranger ça à un moment donné. Sinon, voilà, c'est pas si grave que ça, hein, ça reste quand même regardable, ben, je pense. En tout cas, je joue, puis j'aime bien ça, ça me dérange pas trop. On va quand même faire un début de Assassin's Creed, monter sur les toits puis faire Spider-Man. Donc, beaucoup mieux même. Tac, tac, tac. C'est super facile de monter les tops. Bon, c'est sûr que quand je regarde de même, 60 FPS facile. C'est sûr que là, bon, voilà. Vous, vous verrez peut-être pas. Peut-être que ça ne dérangera pas parce que moi, YouTube, bon, je sais que c'est rendu à 60 FPS, mais faut le mettre dans notre montage le 60 FPS, puis moi je le mets pas parce que je m'en fous dans le fond. Je regarde une vidéo, quand je vois 60 FPS, c'est sûr ça paraît. J'aime bien ça regarder du 60 FPS, mais est-ce que ça change réellement quelque chose? Oui, je sais, voilà. Mais non, moi sur la vidéo, ça me dérange pas qu'elle soit à 60 ou 30 FPS la vidéo. Je regarde un peu. Puis voilà. Où sont les objets? Seulement, j'ai pas trop laissé le temps. Ma plus sincère gratitude. Ah ouais, ouais, ta gueule. Je suis en train de voler, puis l'autre il me remercie, c'est comme rien. Les gens sont. Donc, on a top card ici. Esquive quand même, on est capable de. On passe si mal que ça, les gars. On passe super fort non plus. Quand ils sont tout seuls, ils n'ont aucune chance, là, d'habitude. Tac, voilà. Non, réellement, graphiquement, c'est super beau. En fait, je sais même pas si mes graphismes sont au plus haut ou. Parce que, en fait, je sais pas comment. D'habitude, dans un jeu, c'est comme des. C'est comme dans ici. Là, tu vas dans options, habituellement. Ah, attendez. Oh putain. J'ai été dans options l'autre fois. Puis ça. Ouais, ok. Super cool. Élevé, très élevé, ultra élevé. Ok, c'était même pas au plus élevé. On va essayer de mettre au plus élevé. Ben, mon ordi, d'habitude, il met toujours au smart, ben, en élevé. Mais je suis capable de le faire tourner en très élevé. Oh, oui. Wow, là, hey. Ils ont sous-estimé mon ordi. Ah, wow. Ouais, c'est vraiment plus beau. Putain. Merde, attendez, on va. Non, sérieusement, l'autre fois, j'allais dans l'option, puis ça faisait rien. C'est bizarre. Bref. Graphiste. Qualité. Graphiste. Ah non, c'est ultra élevé, ultra élevé. Ouais, en même temps, si je vois dans. Je mets ultra élevé partout. De quoi il tire, moi? Je sais pas, quoi. Ça, c'est quoi déjà? Quel tas de points? Ouais, non, sérieusement. Ok, non, ça se trouve. Chute à chaque instant. Est-ce que ça arrive plus? Est-ce que c'est moins fluide? Tu crois quoi? Ouais, bon. C'est chier, hein, je croyais que mon ordi. Ouais, c'est vraiment moins fluide. 20 FPS, c'est chier. Bon. Non, mais je disais que tantôt que j'ai le jeu a sous-estimé mon ordi, mais dans le fond, non. Oh, ça fait chier, sérieusement. Mais bon, on peut pas dire que j'ai une ordi de merde. Je suis sûr qu'il y en a plein qui seront pas capables de le faire. De le faire runner. Bon, très élevé. En faible. Oh my god, non. Très élevé, je crois que ça va être correct, là. Ah oh, ouais. Je crois. Tac. En même temps, si à un moment donné, je change...
changerai pas d'ordi premièrement, mais je vais changer une carte graphique. Parce que changer d'ordi et changer une carte graphique, c'est pas du tout pareil. Ça va de carte graphique 200$ puis un ordi 1000$. Un petit peu différent. Oh merde, j'ai même pas vu le temps passer. On est rendu à combien de dollars là? On va arrêter à 20 minutes, mais. On va essayer d'avoir 1000$. Voilà, notre. Comment on appelle ça déjà? Notre linge, le bref. Il manque un personnage, une défense, on va dire. Il y en a pas? Non, sérieusement, si vous voulez acheter le jeu, achetez-le. N'hésitez pas, hein, sérieusement, il est vraiment beau. J'ai jamais aimé Assassin's Creed, puis je l'adore. Donc, imaginez si vous aimez déjà Assassin's Creed. Ah, c'est 1100, merde. Ben, si vous l'aimez déjà, vous allez l'adorer, inquiétez-vous pas. Allez, allez, allez. Dernier personnage, puis après on se quitte et. Tu as compris? Voilà, c'est le personnage. Yes. Merci infiniment. Oh, de rien, ça me fait plaisir. Tac, personnage. Tac, équipement. Poitrine. Acheté. Oui. Wow, non, sérieusement, il est très cool. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, on va essayer d'escalader quand même. Puis, voilà, donc super jeu. Je vais même pas montrer le fusil, je vais le montrer rendu en haut. Tac, on vise comme ça. Là, on n'a pas l'arme dans nos mains, mais tac, quand je clique sur le bouton. Comme ça. Puis... attendez, qui je pourrais tirer? Est-ce qu'on peut tirer un civil? Ah! Arnaud ne tuait pas d'innocent. Ok. Et qu'est-ce que ça faisait? Ah, il est bizarre, bref. Voilà, donc c'est ça. Attendez, on va quand même aller voir le civil, voir si on peut prendre ces choses. Non, même pas. Bon, bref. On se quitte là-dessus. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Thank you.